toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes produits terminés de ce mois-ci. Donc on va pas commencer sans plus tarder pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on a terminé la Soupline concentrée fraîcheur parfumée aux huiles essentielles de chez Soupline. Donc ça je l'avais eu en promo, c'était un 2x4 en tout cas. La santé est extrêmement bon. C'est magnolia et lavande. Je sais pas si je rachèterai, mais moi j'achète la Soupline généralement quand elle est en promo. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc ça sentait vraiment très bon. Ensuite, j'ai terminé une brume d'eau pure rafraîchie, tonifiée, hydrate, tout type de peau de la marque Repair. Donc écoutez, elle est très bien. C'est vrai qu'avec ces périodes de chaleur, ça réfléchit pas mal. Celle-là, j'utilise uniquement sur le visage. Donc voilà, je rachèterai et j'en ai déjà en stock. Donc ça peut être pas mal. J'ai terminé les masques yeux au concombre. Donc je sais qu'ils viennent de chez Action. J'ai pas trouvé que ça faisait grand effet. Quand je le rachèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le crème de douche extra douce lait de karité. Formule hypoallergénique sans parabène, du petit olivier. C'est un 750 ml. Pour être honnête avec vous, je n'ai même pas terminé. Je m'en suis trop vite lassée. L'odeur devient trop écœurante. Moi, je me lasse assez vite des gels douches, donc non, je rachèterai pas. J'ai terminé une mousse. Enfin, on a terminé puisqu'on était à deux dessus. Une mousse micellaire nettoyante, nettoie, démaquille, purifie. De chez Corinne de Farm. Donc, ça, on s'en servait uniquement en nettoyant. L'odeur, c'était une odeur assez douce. On a beaucoup aimé avec mon chéri. Après, ça nettoie. Hein. C'est pas un truc de fou. C'est fait en France, donc si ça peut vous intéresser. Et ça dure quand même assez longtemps puisque ça sort en mousse. On a terminé, enfin j'ai terminé parce que mon chéri n'aime pas ce genre de truc. Un gel douche au romarin de la marque Kneipp comme ceci. Donc ça me fait deux douches clairement. Il y a 30 minutes, ça me fait deux douches. J'ai beaucoup aimé. Ça sent trop bon. Après, il faut aimer tout ce qui est fort, odeur marin, lavande, etc. Mais c'était très bien. Par contre, je comprends pas la couleur du gel douche qui est rose. Ça n'a rien à voir. Mais voilà. Pour rester dans la même gamme, il en reste un d'ailleurs à finir. Celui à la lavande. Comme ceci. Voilà. Donc pareil. Lui, par contre, il est bleu. Ça sent trop bon. J'aime beaucoup cette odeur là. C'est très rafraîchissant pour l'été. Donc voilà. Celui-là il était orange. Donc il est un peu plus dans les mêmes tons que le packaging. C'est orangé et fleur de tilleul. Je trouve que c'est une odeur quand même assez masculine. Donc ça je rachèterai les gels douche sur romarin lavande. Mais orange tilleul non. Ensuite, on a terminé, enfin j'ai terminé un liner super black fixé de liner Yankina comme ceci, donc qu'on peut trouver sur AliExpress. Le souci c'est que le capuchon ne restait pas en place, du coup ça fait qu'il a très très vite séché. Alors j'ai eu le temps quand même de le tester. Il est très bien, il tient extrêmement bien, il est bien précis, la pointe elle est toute petite comme vous pouvez le voir. Hop, et il est très bien. Après, le seul problème, c'est que le capuchon ne tient pas. Et du coup, il fait que de sauter. J'ai terminé un masque visage hydratant relaxant de chez Sephora. Ça m'a bien hydraté le visage. Je ne rachèterai pas forcément parce que je trouve ça très cher quand même pour des masques Sephora. Après, en solde, c'est tout à fait abordable. Si j'en ai dans des colis ou quoi, bah, voilà, je serais ravie de les utiliser. Le chéri a terminé un gel douche au parfum de tarte tatin, donc comme ceci. Donc c'est des pommes caramélisées exactement. Moi j'ai pas trop aimé, je trouve l'odeur un peu trop écœurante. C'était sympa mais c'est pas notre dope préféré.
Enfin, je le rachèterai pas forcément. J'ai terminé des bandes de nettoyage des pores de la marque Life Care. Donc ça, on les trouve chez Action. Depuis qu'ils ont changé le packaging, je les trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup moins efficaces. Donc je les recommande pas du tout, du coup. Voilà. Ils sont pas assez efficaces. Avant, ils étaient beaucoup plus efficaces que ça. On a terminé en gros coup de cœur avec mon chéri. Vous allez voir, on a terminé beaucoup de gel douche ce mois-ci. Ma mousse de douche hydratante citron vert et basilic de chez Label. Donc de chez Intermarché. Ça, on a adoré. Alors mon chéri, à la base, n'est pas très fan des textures mousse. Et celui-là, on a adoré. Il est... L'odeur est fraîche, vous sentez vraiment le citron vert et basilic. C'est très très frais pour l'été, on aime beaucoup, c'est déjà racheté. Donc, ouais. Et en plus de ça, pour moins de 2 euros, c'est tip top. Alors, j'ai terminé un échantillon du lait pour le corps apaisant de chez Sanex. Il était très bien, très hydratant. Après, je l'ai testé qu'une fois, donc j'en ai d'autres en stock. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un lait crème pour le corps rose de chez Dr. Oshka. Donc ça, je l'ai eu dans la prescription lab. Non, j'ai pas aimé parce que je trouve que déjà que l'odeur est très médicamenteuse. Ça goûte, ça sent le médicament. J'aime pas trop. Et l'hydratation n'était pas folle. Alors pour le prix, non. On a terminé encore un gel douche. C'est le fleur de vanille à l'huile d'argan. Gel douche. Donc ça c'est un... Je l'avais acheté dans les promos beauté Leclerc. Il m'en reste un d'ailleurs, fleur de vanille et huile d'argan. Alors c'était juste une tuerie. Ça on l'utilisait en vacances. Et ça sent juste trop trop bon. Ça sent trop bon. Je sais pas vous décrire l'odeur, mais c'est une tuerie, je vous le recommande. Donc là il y a un peu... C'est une texture un peu... C'est un gel douche mais huile. Donc voilà, ça déshydrate pas la peau et c'était très très agréable. Ensuite, on arrive à la fin. On a terminé. Ça, je tenais à vous le faire voir parce que franchement, c'est une pure merveille. C'est le petit Marseillais savon liquide purifiant, le cuisinier agit contre les odeurs tenaces à l'huile essentielle de citron. Donc c'est des que vous mettez dans votre push-push. Alors ça sent pas très très fort, mais c'est en fait ça enlève très très bien les odeurs très fortes comme l'oignon, le saumon sur les mains, les crevettes, l'odeur. Ça part nickel. J'ai fait une bonne découverte et ça franchement je peux que vous le recommander. Je vais vous le faire à plus près. Donc c'est celui-ci. Voilà. Je vous conseille d'aller en magasin et de vous le procurer parce que c'est une pure merveille. Ensuite, je ne l'ai pas terminée, mais je pense qu'elle a tourné et j'avais pas vu qu'il fallait la conserver de préférence au réfrigérateur et dans les 6 mois après ouverture. C'est de l'aloe vera. Je l'avais emmenée en vacances parce que pour les brûlures, etc., le soleil. Et le souci, c'est que elle a dû tourner. Vous voyez la couleur, elle a changé. Là-bas, c'est transparent et là, ça vire un peu jaune. Et je m'en suis mis sur le bras et je me suis chopé plein de boutons. Donc je pense qu'elle a tourné. Après j'ai pas pu m'en servir tant que ça, donc je recommande pas forcément. Alors lui j'ai pas pu le tester comme il faut. C'est le Better Than Sex de Too Faced. Il est tout sec et je sais pas. Je trouve la brosse, elle fait cheap. Je sais pas. Il est tout sec. Non, je suis vraiment déçue. Que je l'avais jamais ouvert, il était tout neuf, etc. Donc non, je rachèterai pas, même si j'ai envie de le tester pour le comparer au Paradise Ecstatic. Ensuite, j'ai terminé le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Donc celui-là, je l'adore, je l'aime beaucoup. Je l'ai en miniature, donc je peux que vous le recommander. Alors, il faudrait que je teste son dupe qui est le Epic Ink, je crois. De chez NYX. Il paraît que c'est son dupe parfait pour 10 euros de moins. Donc je vous le recommande fortement. Et ensuite, j'ai terminé. Alors ça, c'est une petite bombe. Je vous l'ai présenté dans une vidéo haul.
C'est le mascara Velvet Noir Major Volume Mascara de chez Marc Jacob. Donc je l'ai racheté en kit. Je l'aime beaucoup. Il fait des très très beaux cils. Il fait penser quand même à la brosse du Better Than Sex. Quand même, ça y ressemble énormément. Je l'aime beaucoup. Je ne peux que vous le recommander. Voilà, cette vidéo sur mes produits terminés est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits que vous avez testés ou que vous aimeriez tester. Voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!